Voilà, bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que le son est bon. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Que sa grâce soit sur vous. Que sa faveur soit votre partage. Que sa fidélité soit ton bouclier. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle journée. Comme j'ai promis hier, je veux parler un peu sur la disparition d'une grande personnalité de la culture camerounaise parlant du domaine de la comédie, Gabriel Nangip. Voilà, dis-moi, est-ce que le son il est bon, s'il vous plaît? Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout le monde me suit parfaitement bien? Voilà, dites-le-moi en commentaire. Est-ce que le son il est bon? Est-ce que le son est convenable? Nous attendons les retardataires. Partageons la vidéo, s'il vous plaît, au maximum de personnes. Partageons la vidéo au maximum de personnes. Bonjour à Lucie Gomez. Bonjour à Olivier Mathy. Bonjour à Alexandra Penelove. Bonjour à ma fille Romaine Chatat. Alors, bonjour Anastasie Petigny Obanga. Voilà, partageons la vidéo. Nous attendons les retardataires et bientôt on va lancer. Bientôt, on va lancer. Voilà. Que Dieu te bénisse pour cette nouvelle journée. Que sa grâce, sa faveur soit sur ta vie. Dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Partageons la vidéo, s'il vous plaît, en bon de cœur pour que Facebook puisse recommander la plateforme à un maximum de personnes. Et taguons les gens, tous ceux qui sont concernés. Si vous avez un influenceur camerounais que vous connaissez ou bien dans un autre pays, taguez les influenceurs, s'il vous plaît. Taguez les influenceurs, tous les influenceurs que vous connaissez. Si vous êtes en contact avec un influenceur, taguez-le, que ce soit au Cameroun ou bien hors du Cameroun. Je pense que Dieu a quelque chose à dire dans ce qui se passe aujourd'hui avec le monde des influenceurs. Dans le monde entier, en Afrique, au Cameroun en particulier. Donc, bonjour. Donc voilà, je pense que taguez, si vous connaissez un influenceur, taguez-le. Taguez-le s'il vous plaît. Que ce soit sur TikTok, Facebook, Instagram, partout, taguez-le. Dieu a quelque chose à dire dans tous les cas, dans cette nation, dans cette génération. Et je pense qu'il concerne aussi les influenceurs, Dieu a quelque chose à dire. Il est important d'écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de la situation? Taguez-les, s'il vous plaît.
Invitez-les à venir écouter la parole que j'ai pour eux. Voilà. Parce que la mort des influenceurs est devenue très, très, très récurrente. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part et il faut qu'on puisse savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il faut consulter Dieu aussi par rapport à cela et connaître la pensée de Dieu par rapport à toute cette situation. Donc, nous attendons les retardataires. Partageons cette vidéo au maximum. Elle doit arriver aux oreilles de tous les influenceurs et influenceuses. Tout le monde, que ce soit dans le monde musical, de la comédie, c'est important que les gens, ou de la communication en général, les gens doivent être au courant de ce qui est en train de se passer. Voilà. Les gens doivent être au courant. Il faut que cette vidéo arrive, ce direct puisse arriver aux oreilles de tout le monde. Il y a Martial Armand qui dit « Es un sujeto preocupante para la juventud camerunesa. » Si, es la verdad. Est-ce verdad? Est-ce la verdad? Est-ce la raison pour laquelle quiero hablar sobre este sujeto? Porque es muy, muy importante de hablar. Porque la juventud, hay cosas que la juventud se debe de conocer. Donc voilà, partageons la vidéo, s'il vous plaît, partageons-la au maximum. Père, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es vrai. Que ton nom soit béni. Sois notre source d'inspiration, Seigneur. Nous sommes jeunes et nous voulons connaître ce que tu penses par rapport à la disparition subite, soudaine des influenceurs camerounais dans d'autres nations. La même chose, le même scénario en train de se passer. Nous voulons connaître, nous voulons savoir et nous voulons que ça s'arrête. Seigneur, prends contrôle au nom souverain de Jésus. On a prié. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Dans 3 minutes, je commence mon direct. Nous avons encore 3 minutes pour attendre les retardataires, qu'ils soient là, qu'ils soient connectés, afin qu'on puisse partager ensemble sur ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec les influenceurs camerounais? Il faut qu'on s'intéresse à ça. La mort subite, la mort brutale, la mort brusque de plusieurs influenceurs cette année, je pense qu'il faut qu'on en parle. Il faut que la voix des prophètes puisse intervenir par rapport à cela pour que les gens puissent comprendre et qu'on puisse prier pour cela et trouver des solutions. Ouais, on doit arrêter ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut comprendre les méandres. Dernièrement, nous avons perdu un grand influenceur camerounais. Et c'est très sérieux cette affaire-là, c'est sérieux. C'est important d'en parler. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo et si vous connaissez, vous êtes en contact avec un influenceur, taguez-le, invitez-le à suivre ce direct. Voilà, et partageons la vidéo au maximum. Partageons au maximum la vidéo, je vous en prie. Envoyez des cœurs et des pouces bleus. Je ne vois pas assez de cœurs ni de pouces bleus. Donc, partageons les cœurs et les pouces bleus. Les prophètes doivent parler. Les hommes de Dieu ne doivent pas se taire. Lorsque la ruine frappe soudain la nation, les prophètes doivent consulter Dieu et parler. La voix de Dieu doit être entendue dans notre génération. C'est important de le savoir, mes amis. On ne peut pas se taire. On doit parler. Lorsque les fléaux frappent la nation, parce que les gens se posent des questions, même les influenceurs, je pense, et dans le monde des influenceurs, il y a la peur, il y a la crainte. Les gens se posent la question de savoir à qui le tour, qui sera le suivant, pourquoi ce fléau, qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est important d'en parler. C'est nécessaire que les hommes de Dieu brisent le silence pour parler parce que la nation a besoin de leur voix. Nous sommes les porte-parole de Dieu dans notre génération. Quand il y a quelque chose, on parle, mes amis. On doit dire, on doit consulter Dieu et venir parler au peuple. Pour que les gens puissent comprendre et que les gens puissent être sauvés. La Bible dit, si je dis au prophète de sonner la trompette et qu'il ne sonne pas la trompette et que le peuple périsse, le peuple mourra pour ses péchés, mais je redemanderai le sang du peuple au prophète parce qu'il a refusé de sonner la trompette. Et la Bible appelle les prophètes les sentinelles,
Nous sommes les sentinelles de Dieu dans notre nation. Je fais partie des sentinelles du Cameroun. Et dans d'autres nations aussi, c'est pour cela qu'avant qu'un événement n'arrive dans une nation, le Seigneur nous en parle. Lorsque c'est grave, lorsque c'est quelque chose d'important, lorsque c'est quelque chose qui touche le programme de Dieu pour cette nation-là. Et voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il était importantissime pour moi que je parlasse. Il faut que je m'exprime là-dessus pour que les gens puissent aussi avoir le point de vue spirituel. Voilà, en ce qui concerne la question de la disparition des influenceurs camerounais. On doit revenir un peu sur ces choses-là. Voilà, donc que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pourrez ne pas être tout à fait d'accord avec moi sur tous les points que je vais évoquer ce matin, mais ce qui est le plus important qu'il faut retenir, c'est la pensée de Dieu par rapport à cela. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça un prophète en fait. Un porte-parole de Dieu qui peut venir dire aux gens qui ont écouté, dans telle situation, voici ce que Dieu pense. Voilà ce qu'il faut faire pour éviter que ça se répète. Voilà, merci à Dieu, merci à chacun de vous d'être connecté ce matin. Et je pense qu'on va entrer dans le vif du sujet immédiatement. Donc récemment, nous avons perdu un grand influenceur. C'est quelqu'un que je suivais de temps en temps. C'est un jeune homme que je suivais de temps en temps. Et surtout ces vidéos où il avait deux de ses collègues. Ils ont commencé par manger, ils se disputaient la nourriture et tout ça. Et je trouvais ça très amusant, ça veut dire que très déstressant, il faut le dire comme ça, c'est déstressant. Donc parfois quand je voulais rire, je suivais ces vidéos et puis ça me faisait du bien. C'est-à-dire, je parle du domaine des rires, etc. parce qu'on sait que c'est aussi quelqu'un qui était parfois débordant dans son caractère, voilà. Mais dans tous les cas, je suivais son humour et je le suivais de temps en temps, je suivais. Et j'aimais le suivre quand j'avais le temps, parfois j'allais, et puis je le suivais. Donc c'est quelqu'un que je connaissais très bien dans les réseaux sociaux. Donc quand j'ai appris sa mort, ça m'a tétanisé. Ça, je vous dis la vérité, ça m'a tétanisé. Ça m'a beaucoup fait mal, ça m'a fait mal. Pendant 3 jours au moins, je crois que ça m'a fait mal. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup dérangé. Ceux qui sont proches de moi, eux, ils le savent en fait. Donc à chaque fois, je me criais, ah Najib, Najib, oh Cabrel, oh là là, Cabrel, Cabrel, Cabrel. Les gens étaient même étonnés de savoir que je sois autant préoccupé par la disparition de ce jeune homme. Vous savez qu'il y a des gens qu'on apprécie à distance en fait. Il y a des gens qu'on apprécie à distance. Les gens, on apprécie leur œuvre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'est parfait. Dans tous les cas, nul n'est parfait. Personne n'est parfait. Nous sommes des humains. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ça veut dire tout le monde, chacun aura quelque chose à redire. À dire non, bon, dans tel domaine, il faisait telle chose, ça, je n'aimais pas, ou dans tel domaine. Mais je pense que ce n'est pas ça le plus important. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'apprécier le bien qu'il a fait à la nation, le bien qu'il a fait à chacun d'entre nous. C'est d'apprécier cela, de reconnaître cela. Donc, c'est un jeune homme qui était talentueux, très talentueux. J'ai vu l'un de ses clips, un des clips qu'il a sorti. On m'a montré cela après son décès. Et donc, c'est un jeune homme qui, sur le plan culturel, avait un grand avenir dans le domaine, dans son champ de prédilection, dans tous les cas. Il avait de l'avenir. Mais sa disparition m'a beaucoup choqué. La mort, mes amis, est la fatalité de l'humanité. La mort, c'est la fatalité de l'humanité. La mort, ce que la mort nous prend. Et à 33 ans en plus, ce que la mort nous fait, ce que la mort nous a fait, le mal que la mort nous a fait. Et c'est triste. Je présente mes condoléances à la famille, à sa famille, mes sincères condoléances, les condoléances de ma communauté. Nous partageons cette douleur, nous la partageons, et je suis très sincère là-dessus. Partageons cette douleur. Et je pense que, je me souviens que quelquefois, je le suivais, je disais, dans mon cœur, oh,
Un jour, certainement, je croiserai ce jeune homme et je vais l'encourager. Malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Ça n'a pas pu avoir lieu. Il y a quelques artistes, jeunes artistes qui se démarquent quand même, pour qui j'ai pris ces résolutions-là. J'avais dit, ah, tel là, il faut que je l'encourage, il faut que je puisse le soutenir même financièrement, donner une contribution financière, et c'est la pensée que j'avais eue pour lui. Bon, mais ce n'est pas arrivé. Je n'ai pas pu accomplir ce rêve-là. Et c'est dommage que ce soit après son décès que je puisse peut-être poser un acte contributionnel. Mais dans tous les cas, le Cameroun a perdu sur le plan culturel une étoile. Vous savez qu'en 2023, on a perdu au moins trois influenceurs, au moins trois. Je pense à commencer avec Madame Cooper. Madame Cooper, ça, et puis il y a Miss Ngacho, qui est aussi morte par accident en Kwaban. Là aussi, c'est un deuil qui m'avait secoué. Ça m'avait beaucoup, beaucoup secoué. Lorsque j'ai appris sa mort, je pense que c'était un accident par moto. Et là, je vous assure, j'étais déboussolé, vraiment déboussolé. Parce que c'est une jeune femme que je suivais aussi. Et j'aimais beaucoup la suivre. Et je la suivais sur, comment on appelle encore cela? C'est le Kuala du riz. Il y a une émission là qui passe souvent. Je la suivais en Côte d'Ivoire là-bas, et ici au Cameroun aussi. Donc, parfois quand j'étais un peu stressé dans mon travail, par mon travail, je mettais. Et Miss Gatio, je l'avais découvert par hasard comme ça, et j'aimais la suivre. Parce que c'était quelqu'un qui maîtrisait l'art de l'humour. C'est une grande humoriste. Quand j'ai appris sa mort, vraiment j'ai été déboussolé. Ouais. Et puis Gabriel Nandip, et puis j'ai dit non, ça fait un peu trop. Il faut qu'on essaye d'arrêter cela. Ouais. Donc mes condoléances à la famille de Cabrel. Et comme je l'ai dit, je voudrais donner ma contribution, ma modeste contribution. C'est vrai que ça ne va changer grand chose, mais je pense que c'est important quand même pour moi de marquer cet acte de solidarité envers ce jeune homme que j'aurais tellement souhaité connaître. Voilà. Mais c'est après sa mort que j'essaie de suivre encore ses vidéos et j'ai découvert que c'est un jeune homme qui a traversé des moments très compliqués. Donc, il a perdu un de ses fils, son fils une fois, et ça a été compliqué pour lui, on l'a accusé. Et j'ai suivi un autre direct où un procureur l'appelait menaçant qu'il arrête, et quand tu voyais son visage, tu comprenais qu'il était loin. Il était triste. Il était attristé. Donc mes sincères condoléances. Et pour ceux qui sont proches de sa famille, aidez-moi s'il vous plaît à avoir le numéro de sa maman, parce qu'on m'a dit son papa est décédé, que sa maman est vivante. Donc pour faire parvenir ma contribution, si c'est possible, je me déplacerai avec mon staff pour aller là-bas. S'il n'y a pas possibilité, on pourra envoyer des représentants pour donner notre contribution. Voilà. Donc, ce n'est rien, mais je pense que je le ferai quand même. Et là, je pense que ça va me soulager d'avoir au moins posé un acte positif, même si c'est après sa mort, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est le plus important. Le plus important, c'est la volonté qu'on a, cet acte-là qu'on peut poser par amour, par juste parce qu'on est touché dans tous les cas. Vous allez m'excuser, c'est que c'est un peu compliqué de parler d'une personne qui vient de partir, c'est compliqué. Nous avons des personnes qui nous sont chères, que nous perdons. Ça nous laisse des blessures profondes. Et on meurt avec ces blessures, vous voyez. Donc tous ceux qui ont la possibilité de m'aider en tant que contact avec sa maman, s'il vous plaît, aidez-moi à avoir son numéro de téléphone. On va contribuer 1 million au moins l'enterrement des obsèques. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, j'ai pris le temps pour parler à Dieu. J'ai dit, Seigneur, voilà, on a perdu Madame Cooper, il y a Miss Gatio qui est parti, et puis Cabrel Nandip, et qui sera le suivant? Il faut faire attention. Et je suis allé et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je suis venu, pas avec des leçons de vie en fait, mais juste avec des observations. Des observations et des conseils en tant qu'homme de Dieu. Des conseils.
voyez, lorsque nous sommes des influenceurs, parce que moi-même, je suis un influenceur, ça veut dire, c'est vrai que mon domaine de prédilection, c'est sur le plan religieux. Moi, je prêche l'évangile, j'amène les gens à connaître Christ, abandonner leur mauvaise vie pour donner leur vie à Christ, à Jésus, et à connaître l'existence de Dieu. Et ça s'accompagne avec les dons spirituels, la manifestation, la puissance de Dieu à travers notre ministère. Que ce soit dans la guérison, la prédication de l'évangile, la prophétie, l'annonce des choses qui doivent arriver avant qu'elles n'aient lieu, pour que ces choses-là puissent amener les hommes à croire que Dieu existe. Donc la première chose que je veux, déjà, que tout le monde sache, c'est que Dieu existe. Dieu existe. Il faut que tout le monde le sache. Que vous soyez chrétien, musulman, que vous soyez zoroastriste, que vous soyez animiste. C'est-à-dire, quelle que soit votre religion, que vous croyez ou pas, il faut savoir que Dieu existe. Tout le monde doit savoir cela. Ça, c'est la base fondamentale que tout le monde doit savoir. Dieu existe, mes amis. Dieu existe. Quand vous lisez la Bible dans Psaume 14, verset 1, la Bible dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Mes amis, Dieu existe. Il existe. Je ne veux pas retourner je ne veux pas retourner dans des preuves, des expériences personnelles. Mais je veux tout simplement que les gens comprennent que Dieu existe. Et ça doit être aussi important pour nos influenceurs. Chaque être humain doit savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut le savoir. Et il faut savoir que la vie humaine, elle est péremptoire. Elle est péremptoire. Ça veut dire que l'être humain est une denrée périssable. C'est-à-dire qu'il y a une date de fabrication et une date d'expiration. Nous avons une naissance et une mort. Il n'y a aucun être humain qui est éternel sur la terre. Donc cette connaissance nous aidera à faire attention. Et que ce soit dans l'islam, que ce soit dans la Bible ou dans d'autres religions, toutes les religions, quoique parfois elles soient divergentes sur plusieurs sujets, sur moult sujets, mais toutes les religions de la terre, ou bien la presque toutime des religions de la terre, sont d'accord qu'il y a un jugement après la mort, qu'il y a un Dieu qui existe et qui est transcendant à l'être humain. À partir de ce moment, il faut que chacun de nous, dans sa conscience, puisse savoir que Dieu existe et que l'être humain est fait pour mourir et qu'après la mort, il y a une vie. La Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement expliquer que chacun de nous doit savoir qu'après sa mort, il paraîtra devant le tribunal de Jésus-Christ pour rendre compte de sa vie sur la terre. Ça, c'est important. Et là, c'est aussi utile pour tous nos influenceurs. Moi, je vais parler de mon observation personnelle. Et je reviendrai sur les causes et quelles sont les solutions. J'ai eu à rencontrer quelques influenceurs camerounais, c'est-à-dire que ce soit dans la musique, des grands musiciens camerounais qui m'ont contacté pour des problèmes personnel, des difficultés qu'ils ont, parce qu'ils ne voyaient pas les gens, nos influenceurs. Vous les voyez dans de grands hôtels, vous les voyez avec de grosses voitures, vous les voyez dans la belle vie. Mais mes amis, ce n'est pas ça leur vraie vie en fait. Après cela, ces personnes-là ont des problèmes personnels. Certaines sont même persécutées mystiquement. Certaines sont persécutées mystiquement. Certaines ne dorment même pas la nuit, n'ont pas la paix du cœur. C'est ça que vous devez savoir. Donc, ne vous limitez pas par ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça leur vraie vie, en fait. Ce n'est pas leur vraie vie. Certains portent des fardeaux qu'ils ne peuvent même pas partager avec leur entourage. Certains traversent des difficultés que vous ne pouvez même pas imaginer. D'autres sont persécutés par des esprits impurs, par la sorcellerie. Venant de leurs proches, venant de leur famille, venant de leur village, venant de personnes jalouses, ou parfois même venant de certains engagements qu'eux-mêmes ont pris. Et puis, il y a des personnes naïves qui regardent tout simplement ce qui se passe dans les réseaux sociaux et vont s'y jeter, et puis ils sont pris dans le piège, en fait. Ils sont étonnés à la fin. Ah non, l'affaire, donc c'est autant compliqué que ça. Donc, la première chose que je voudrais dire aux influenceurs,
La première chose, à tous nos influenceurs, nous apprécions ce que vous faites. Être influenceur, ce n'est pas facile, mes amis. Ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de zèle et d'amour pour ce qu'on fait. Mais au milieu et au centre de ce que vous faites, pensez à Dieu. Ça, c'est la première chose que je vous dis. Pensez à Dieu. Mettez Dieu au cœur de votre activité. Parce qu'aucun homme ne peut vivre sans Dieu. Mettez Dieu au cœur. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui peut vous préserver de Satan et de la sorcellerie, c'est Jésus-Christ. Pensez à Jésus-Christ. Pensez à Dieu. Mettez Dieu au cœur. Laissez Dieu caracoler, chevaucher autour de votre carrière. Parce que vous voyez, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a de cela quelques années, je pense, ça devait être en 1996 ou 97. Je suis tombé gravement malade. J'étais malade et je souffrais d'une infection pulmonaire. À l'époque, j'étais à la vraie église de Dieu, Papa Nisotukea. Et au lieu que les bien-aimés puissent m'aider, au lieu que les gens prient pour moi et me manifestent de l'amour parce que j'étais défaillant en défaillance, les gens commençaient à m'accuser, les gens m'insultaient, les gens parlaient du n'importe quoi sur moi, disant que ce sont mes péchés qui me rendaient malade, parce que c'est ça en fait l'homme, la méchanceté de l'homme. Ouais. Et donc je me suis découragé et suis retourné dans ma famille musulmane, parce que je suis d'origine, je suis de Garoua, je suis né dans l'islam en fait. Mon père est Fulbert de Garoua. Donc, mon nom de famille, c'est Babacar Amadou Seigne. Je me suis retrouvé en Gaoundéré, dans ma famille paternelle. Et quand ils m'ont vu, j'étais mourant, ils m'ont demandé, où sont tes frères chrétiens là? Parce que c'est ça la vérité aujourd'hui. On a la bouche, on dit qu'on a Dieu, mais c'est nous les premiers à condamner, à insulter, à mal parler des gens, à calomnier, à colporter les noms des gens. Malheureusement, c'est un peu ça la réalité d'aujourd'hui. Et donc, je n'avais pas de réponse à leurs questions. Ce sont eux qui ont pris soin de moi. Ils m'ont amené à l'hôpital et j'ai fait 10 jours de soins à l'hôpital. On m'a donné un traitement, j'ai fait peut-être un jour, deux jours. On m'a donné un traitement de 10 jours et je suis rentré à la maison. Et j'ai pris la résolution de ne plus jamais mettre mes pieds à l'église. J'ai décidé de retourner dans l'islam. La nuit, c'est ça qui est le plus important. Cette nuit, j'ai eu un rêve. Dans la vision, j'ai vu deux anges du Seigneur Jésus-Christ qui me sont apparus vêtus de blanc. Et ils sont avancés vers moi, ils se sont avancés vers moi. Et l'un d'eux s'est tourné vers moi. L'autre regardait le chemin tout droit. Lui ne m'a même pas regardé dans les yeux. Celui qui me regardait m'a demandé, Ferdinand, pourquoi tu n'es pas allé à l'église? Parce que le dimanche là, je n'étais pas allé à l'église. C'était dimanche dans la nuit que j'ai eu la vision. Il m'a demandé, Ferdinand, pourquoi tu n'es pas allé à l'église? Je lui ai dit, c'est parce que l'église est éloignée. Il m'a dit, c'est pas la vérité. Dis-moi pourquoi tu n'es pas allé à l'église. Et je lui ai dit, ah, j'étais malade. Au lieu que mes frères me manifestent de l'amour, de l'empathie, de la compassion, de la miséricorde, au contraire, ils m'insultent, ils me condamnent. Ils disent que je mérite cette maladie, je mérite même la mort parce que ce sont mes péchés qui me rendent malade. Et c'est pour cela que j'ai décidé de ne plus aller à l'église. Et l'ange du Seigneur m'a dit ceci. Ce que tu dis est vrai, mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu ne dois pas aller à l'église. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a appelé à Christ. C'est le Seigneur lui-même qui t'a appelé. Et il m'a dit, avant de retourner sur Ngaoundal, va rencontrer le frère Élie. Le frère Élie, c'était un frère qui était lieutenant à l'époque à la vraie église de Dieu, à Baladi 2, en Ngaoundéré. Il m'a dit, va vers le frère Élie. Et il te dira toutes les paroles que je lui ai mis à cœur pour toi. Et les deux anges se sont mis à partir. Ils sont arrivés peut-être à 50 mètres. L'ange qui me parlait s'est arrêté. Et il s'est retourné vers moi. Et il m'a crié, et je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, et n'oublie jamais ceci, une fois pour toute ta vie, un homme ne peut pas vivre sans Dieu. Un homme ne peut pas vivre sans Dieu. Mes amis, je me suis réveillé cette nuit et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le quartier, pensait qu'il y avait eu deuil à la maison. Le matin, les gens ont demandé, quelqu'un est mort, quelqu'un est mort. Je pleurais sur mes péchés, je pleurais sur ma vie. Donc mes amis, Dieu existe. Donc je veux dire à tous nos influenceurs, s'il vous plaît, la première chose que vous devez connaître et savoir, c'est que la seule personne qui peut garder vos vies, c'est Jésus-Christ. Il a dit, Ego eimi he opohimen ho kalon. Moi, je suis le bon berger. Et le roi David dira en hébreu, Yahweh lo esar. Yahweh rohi lo esar. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je pense que l'erreur que beaucoup d'influenceurs font, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ.
ou bien de croire sur le plan sommaire, mais de ne pas appliquer leur cœur à craindre Dieu et à mettre en pratique les recommandations et les instructions de Dieu. C'est ça qui vous sauvera. C'est ça qui vous préservera. Tout ce que tu fais sans mettre Dieu au cœur de ça, tu mets ta vie en danger. Parce que Satan n'a peur de personne. La Bible dit, il dit « Veillez, car le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Ouais. Donc le diable, et Jésus-Christ a dit que le diable est venu pour égorger, pour tuer, pour voler. Il vole les destinées, il égorge et il tue. Donc la première chose, nos influenceurs, à tous les influenceurs, dans le monde entier, au Cameroun en particulier, s'il vous plaît, tournez-vous vers Jésus-Christ. Tournez-vous vers Dieu. C'est un Dieu qui peut vous garder, il peut vous préserver. Et lorsqu'il vous garde, personne ne vous fera de mal. Personne ne vous touchera pas. Personne ne peut mettre sa main sur vous. Parce que la Bible dit clairement dans Somme 34, verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Donc si vous êtes un influenceur, parce que c'est un monde compliqué, beaucoup d'influenceurs salissent leurs mains. Il faut savoir cela. C'est un monde très, très, très compliqué. Où il y a trop de compétition, il y a trop de pratiques. Les gens vont chez les marabouts avec le nom des autres influenceurs. Si vous ne le saviez pas, vous devez le savoir aujourd'hui. C'est un monde compliqué, mes amis. Et dans un monde compliqué comme celui-là, où la compétition peut être mortelle, la seule personne qui peut vous garder, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est la seule personne. Vous savez, mes amis, nous-mêmes qui sommes hommes de Dieu, ça ne nous laisse pas. Nous qui sommes hommes de Dieu, ça ne nous laisse pas. Je ne peux pas compter combien de fois on a cherché à m'empoisonner. Moi, je suis un pasteur, je ne suis même pas un artiste. Je ne suis pas un artiste. Non, je ne suis pas un artiste. Je suis un pasteur. Mais je ne peux pas compter le nombre de fois. Une fois à Garoua, c'est la petite sœur à mon père qui a voulu m'empoisonner. Si Jésus-Christ n'était pas mon Dieu, s'il n'était pas vivant, je serais mort aujourd'hui. C'est ça la vérité. Quand je suis arrivé à Garoua, immédiatement, le premier jour, elle a préparé ma nourriture. Le Seigneur m'a dit, ta tante va t'empoisonner. Mais dans ce repas, il n'y a pas de poison. J'ai mangé. Le deuxième jour, l'Esprit de Jésus-Christ m'a encore dit, ta tante va t'empoisonner, mais dans ce repas, il n'y a pas de poison. J'ai donné ça aux enfants. Le troisième jour, j'ai oublié que l'ange de Dieu, le Saint-Esprit, m'avait averti que ma tante allait m'empoisonner. Je parle de ma tante. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Tes ennemis parfois sont dans les artistes. Laissez-moi vous dire, vos premiers ennemis sont dans vos familles. Les personnes jalouses qui n'aiment pas apprécier. Ah, pourquoi l'enfant de tel a réussi? Pourquoi ce n'est pas mon enfant qui a réussi? C'est ça le problème. Et la deuxième tranche d'ennemis que vous influenceurs, vous avez, c'est vos collègues. Ceux qui ont moins réussi que vous. Il faut le savoir. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Donc, le troisième jour, j'ai oublié que l'ange de Dieu m'avait averti que je serais empoisonné. Et j'ai demandé à ma tante, là. Ma tante, là, quand elle préparait à manger, elle me persécutait au téléphone. Elle disait toujours que mon fils, tu as fini, je vais reprendre mes assiettes. Il faut que je prenne mes assiettes. Et j'avais une campagne le mardi, mercredi, non, le mercredi, jeudi et vendredi. Et le vendredi, je devais rentrer à Yaoundé après ma campagne. C'est le vendredi qu'elle a mis le poison. Et moi, j'avais oublié même que j'avais été averti que ma tante allait m'empoisonner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé me coucher et vers 14h, je me suis levé parce que mes enfants travaillaient au salon. Moi, j'étais dans la chambre. Et quand je sors, quand tout le monde est parti, et la nourriture m'avait été servie. Et j'avais demandé qu'elle me fasse les feuilles du baobab. C'est-à-dire, on appelle ça akopoko. Akopoko benyiri. Dans le couscous, avec la sauce de baobab, les feuilles de baobab. Parce que j'aime beaucoup ça. En fait, j'aime les nourritures traditionnelles. Et donc, quand je suis sorti, il n'y avait personne. J'ai donc pris le plat, j'ai pris le couscous pour mettre. Le Seigneur m'a dit, ne mange pas, c'est empoisonné. Elle m'empoisonnait pourquoi? Je lui avais fait quoi? Au contraire, quand j'arrivais, je lui donnais l'argent. Et je lui avais même demandé, ma tante, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Voici ta maison, on peut reconstruire ta maison et je réaménage ta maison. Je lui avais dit ça, mes amis. Qu'est-ce que je lui avais fait? Cette mère s'est dit, ah, ton père avait aussi réussi, il est mort. Toi, mais tu vas aller retrouver ton père. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Et le Seigneur m'a dit, ne mange pas, il y a le poison dans ce repas. Va te coucher. Reviens une heure de temps après. Je suis allé me coucher. À 15h, après une heure de temps, je suis revenu. Mes amis, quand j'ouvrais les assiettes, la sauce avait pourri. Le couscous lui-même avait pourri.
tout mon appartement sentait le pourri. Et ma tante là ne m'a plus jamais appelé. Elle n'est pas venue prendre ses assiettes comme le jour précédent. Elle n'a plus jamais appelé. Elle a disparu. Elle attendait, apprend que je suis mort. Elle a juste appris quand j'ai parlé de cela en direct. Je suis allé à Ebolova un jour pour visiter l'une de nos églises. Une femme est venue avec son mari. Elle me dit, oh non, homme de Dieu, venez manger à la maison, venez manger. J'étais avec mon conseiller, papa Dobby. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a découvert, après, j'ai demandé qu'on lui dise, qu'on dise à la dame de mettre la nourriture dans la voiture. Quand on est arrivé hors de Bolova, la voiture, la nourriture a explosé, les assiettes ont explosé. La mousse est sortie de la sauce. Ouais. Donc, il faut faire attention. Ces choses-là, Dieu m'en a prévenu, il m'en a gardé. Parce que j'ai mis Dieu au centre de ma vie. Donc je pense que la première chose, les influenceurs, c'est qu'il faut savoir, mettez Dieu au centre de votre vie. Ça, c'est la première chose. Craignez Dieu. Menez une vie qui glorifie Jésus-Christ. Cherchez Dieu. C'est lui seul qui peut vous délivrer au jour de la détresse. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ça, c'est la première chose qu'il faut que vous sachiez. Un influenceur qui ne craint pas Dieu se met en danger. Il n'est pas protégé. Il ne peut pas être protégé. La deuxième chose, ne vous engagez pas dans les loges sataniques. Ne vous engagez pas dans les loges sataniques. Parce que ces choses-là vous détruiront. Le diable ne donne rien pour rien. Ne vous engagez pas parce que dès que vous êtes influenceur, il faut savoir que c'est les gens compliqués qui s'approcheront de vous pour vous proposer ce qui n'est pas bien. J'ai une de mes filles pour qui je suis en train de prier, que je suis actuellement, qui est engagée dans une vie qui n'est pas du tout bonne, qui n'est pas propre. Et elle m'a avoué que dans ce monde-là, beaucoup de ses amis, beaucoup de ses camarades sont venus la voir pour lui proposer d'entrer dans des sectes pernicieuses pour avoir la notoriété et avoir l'argent. Faites tout naturellement. Dieu vous a donné assez de talent, assez de sagesse, assez d'intelligence, assez d'investissement. Votre investissement, croyez en lui. Quelqu'un peut réussir sans mettre la main quelque part, sans salir sa main. C'est possible. Tes talents. La Bible dit que les talents d'un homme lui ouvrent la voie, lui ouvrent les portes. Croyez en vos talents. Refusez de vous engager dans des choses sales, dans des choses mauvaises. Refusez cela. Refusez de vous engager dans des sectes pernicieuses. Parce que le diable ne doit pas vous faire croire que c'est avec les sectes pernicieuses qu'on peut avoir la notoriété. Non, mes amis, on peut réussir sans salir ses mains dans des sectes pernicieuses. On peut réussir. Il faut faire attention. Parce que l'une des plus grandes tentations de nos influenceurs, c'est les sectes pernicieuses, c'est les loges sataniques. Ce sont ces loges-là. La proposition de devenir riche rapidement, d'avoir la célébrité rapidement et de vendre son âme au diable. Ne vendez pas votre âme au diable. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Vous voyez, il faut faire attention. Moi, j'ai connu quelques influenceurs qui m'ont parlé de leur carrière, qui sont venus me voir parce qu'on les réclamait. On les réclamait parce qu'ils sont engagés dans des choses sales. J'ai prié pour des jeunes gens, que ce soit dans les équipes de football professionnelles ou bien d'autres équipes nationales, etc. Mais à qui j'ai donné des recommandations strictes, leur disant faites attention à la tentation des sectes pernicieuses. Mais certains n'ont pas écouté et puis ils sont engagés dans des choses compliquées et dans des pratiques très sombres. Et lorsque c'est devenu fort sur eux et qu'on a commencé à les réclamer leur vie, ils sont revenus pour me voir pour dire qu'il faut prier. Ouais. Bon, un berger ne peut pas rejeter une brebis, ça c'est clair. Tu ne peux pas rejeter une brebis. Et ce qu'on fait, on prie, on implore la miséricorde de Dieu, on chasse les esprits méchants, on préserve la vie de la personne, on lui dit fais attention, ne répète plus ces bêtises-là. Donc vous voyez, c'est ça en fait. Les jeunes doivent savoir, croyez en vos talents. Croyez, Dieu vous a donné assez de talents. Tu n'as pas besoin d'une loge satanique, d'une loge diabolique, d'une secte pernicieuse pour réussir. Tu peux réussir avec tes talents. Ça, moi, je crois en cela. Et je suis un exemple. Je suis un exemple. On n'a pas besoin de se salir la main. Ne croyez pas que le diable a votre succès en main. C'est Dieu qui a ton succès dans sa main.
C'est Dieu qui peut faire réussir ou bien faire échouer. Tu n'as pas besoin de basculer dans le noir, dans des pratiques extravagantes. La troisième chose que je veux vous dire à tous nos influenceurs, et qui est une chose aussi qui est malheureusement répandue parmi les influenceurs, et ce sont des choses qui attirent la colère de Dieu dans la vie de l'homme, de l'être humain, l'homosexualité. Il faut savoir cela. Beaucoup sont engagés dans ces choses-là qui sont interdites. Ça veut dire que c'est un outrage par rapport à Dieu. Il faut comprendre cela. Ça pourrait ne pas plaire à tout le monde, mais ce que je vous dis est la vérité. On ne peut pas changer la vérité en mensonge, ni le mensonge en vérité. Non, non. Bien-aimés, beaucoup sont engagés dans ces pratiques sexuelles diaboliques, ces pratiques sexuelles sataniques. Et donc, automatiquement, si vous faites des choses comme celles-là, vous attirerez les ténèbres et non pas la lumière. Et la colère de Dieu sera sur vous, en fait. La colère de Dieu sera sur vous. Et à partir de ce moment-là, qui vous gardera de Satan ou bien des sorciers ou bien des personnes jalouses? Vous n'êtes pas protégé, vous n'êtes pas accompagné. Donc moi, je pense que les influenceurs doivent comprendre ces choses-là. Et la quatrième chose qu'il faut que vous sachiez, et là, c'est très sérieux. Lorsque vous avez le rôle et la responsabilité d'être un influenceur, sachez que vous influencez des destinées. C'est pour ça qu'on vous appelle influenceur. Vous influencez les jeunes qui vous regardent, vos cadets qui vous regardent. Vous influencez les gens, en fait. Et vous pouvez les influencer négativement ou positivement. Vous pouvez mener la jeunesse soit à la déroute ou bien dans le droit sentier. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, en fait, la réalité. Donc, maintenant, chaque influenceur, pose-toi la question. Je mène les gens dans le droit chemin ou dans le mauvais chemin. Et c'est là que chacun doit évaluer sa propre responsabilité. Et c'est sur le plan comportemental, sur le plan habituel. J'amène les gens, la jeunesse, ceux qui me suivent, mes followers là, je les aide positivement ou négativement. Chacun doit se poser cette question-là. Parce qu'il faut l'avouer, beaucoup de nos influenceurs au Cameroun, je vous dis la vérité, leur vie n'est pas un modèle. Leur impact sur nous n'est pas bon. C'est-à-dire que pour moi, beaucoup d'influenceurs que je regarde, je prends le côté bon, le côté mauvais là. Beaucoup de nos influenceurs nous influencent négativement. Ça veut dire qu'ils nous influencent avec l'immoralité sexuelle, avec l'impudicité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. En fait, quand vous regardez, parfois l'influence n'est pas toujours positive. Et je pense que là, chaque influenceur devrait savoir que sa responsabilité n'est pas d'amener ses followers à la dérive, mais c'est de les amener sur le droit chemin, en fait. De les aider à devenir des personnes meilleures, à se découvrir sur le plan positif et non pas négatif. Vous voyez? Moi, je ne pense pas que faire dans la dépravation, dans l'immoralité sexuelle, exposer son corps et promouvoir la prostitution, ça soit quelque chose de bien en tant qu'influenceur. Non, c'est, je pense à ce niveau, c'est qu'on n'a pas compris notre responsabilité d'influenceur. Dans chaque chose, cherchons à faire du bien aux autres et non pas du mal. Donc, pose-toi la question, est-ce que la jeunesse qui me suit ira à la dérive ou bien ira sur un chemin droit? Est-ce que les enfants des gens qui me suivent là, et si je suis un modèle positif ou bien négatif pour eux? Ça, c'est important que les gens comprennent cela. Mais si vous faites de... Vous êtes influenceur ou influenceuse, et bon, mais là, vous promouvez peut-être sans le savoir, la dépravation des mœurs, vous voyez, l'immoralité sexuelle, ou je ne sais pas trop quoi. En ce moment-là, vous détruisez plutôt la société, vous ne la bâtissez pas. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, je pense qu'on a besoin d'une jeunesse responsable. D'une jeunesse qui sait choisir le bien et rejeter le mal. On a besoin, le Cameroun traverse des moments très compliqués. Le Cameroun traverse des temps, je vous assure, plus que compliqués. On a besoin d'une jeunesse qui pense positivement, d'une jeunesse qui porte sa responsabilité, d'une jeunesse sur laquelle on peut compter, sur laquelle on peut compter, sur laquelle l'espoir de la nation peut reposer. Et à partir de ce moment-là, nos influenceurs doivent participer positivement à bâtir cette jeunesse.
Il faut la bâtir. Donc moi, je pense pas que c'est important de montrer certaines choses sur les réseaux sociaux parce que les jeunes peuvent mal interpréter cela et se retrouver en train de se perdre. Et les parents peuvent perdre beaucoup des enfants comme ça. Et il faut dire la vérité qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont allés à la dérive à cause des réseaux sociaux, en fait. Beaucoup d'enfants sont devenus rebelles, d'autres sont devenus prostituées, d'autres sont devenus irrécupérables à cause de ce qu'ils croient tellement en leurs idoles, entre guillemets, parlant des influenceurs qu'ils suivent. Parce qu'il faut savoir que parfois, vous, en tant qu'influenceur, vous devenez comme des dieux pour la jeunesse. Ils vous croient à tue-tête, ils vous croient aveuglément. Et là, il faut faire attention de l'éducation qu'on donne. Parce qu'un bon influenceur doit savoir qu'il doit être un bon éducateur. Nous sommes des éducateurs, en fait. Mais notre éducation peut être négative ou bien positive, peut impacter négativement ou bien positivement la jeunesse qui est en train de nous écouter, de nous suivre. Donc moi, je pense qu'il faut porter notre responsabilité. Chaque influenceur doit faire attention à l'exemple qu'il est. Si vous venez parler juste du sexe, des choses immorales, des choses impudiques, parfois un parent écoute ses enfants, sont avec lui, il est obligé d'éteindre ou bien de zapper. Je dis que là, on n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin toujours de faire dans la dépravation des mœurs, pensant avoir plus d'abonnés ou bien de followers ou bien être plus regardé. Moi, je pense qu'il y a une nécessité de responsabilisation au niveau des influenceurs au Cameroun. Maintenant, il faut savoir une chose. Je vais finir avec cela. Le monde des influenceurs est un monde compliqué, mystique. Et comme je l'ai dit, beaucoup d'influenceurs vont chez les marabouts pour avoir de l'influence. Et donc, il y a des compétitions déloyales entre les influenceurs. Et là, tu as besoin d'être protégé. Et Jésus-Christ seul peut te protéger. Lui seul peut te garder. Moi, je te dis ce que je pense. Parce qu'il m'a gardé, je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Je suis un témoignage vivant aujourd'hui. Mais cependant, si vous rejetez ces conseils, je vous assure qu'il sera un peu compliqué pour vous de faire long feu. Le diable continuera à égorger et à égorger. Encore les influenceurs, il continuera à égorger. Et ce que je vous dis est très sérieux. Maintenant, je parle comme un prophète. Écoutez la voix de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel à tous les influenceurs. Mettez Dieu au centre de vos vies. Craignez Dieu dans ce que vous faites. Sachez que si votre influence sur les hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu est négative, je parle du Cameroun, c'est une révélation que je vous donne. Dieu lui-même deviendra votre ennemi. Dieu lui-même deviendra votre ennemi. Parce que Dieu est jaloux de l'être humain qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Mais si votre influence est positive, Dieu vous gardera parce que vous faites du bien à l'humanité. Vous voyez, c'est un peu ça qu'il faut que les gens comprennent. Je veux dire aux influenceurs, il y a encore des pièges devant plusieurs influenceurs au Cameroun et ailleurs. On doit prier pour cela. Que ce soit la mort par empoisonnement ou par accident ou par sorcellerie. Il y a plein de pièges qui se multiplient encore davantage. La seule chose qui peut arrêter cela, c'est Jésus-Christ. Tournons-nous vers Jésus-Christ. Je veux apprécier, il y a le jeune musicien ivoirien, comment on l'appelle encore là, pourtant j'écoute bien sa musique. Il y a le jeune musicien ivoirien là qui chante pour Dieu et pour Jésus-Christ. Et dernièrement, j'ai vu l'accompagner un de ses amis, influenceur aussi, se faire baptiser, c'est Apoutchou, je ne sais pas trop. Et je dis, c'est ce que les gens doivent comprendre en fait. Mettez Dieu au cœur de votre vie et Dieu vous gardera au jour du malheur. Il vous préservera. Donc, mes condoléances, c'est une grosse perte, que ce soit la perte de notre frère Nandip, que ce soit Madame Cooper, que ce soit Miss Gacho. C'est une grosse perte pour la culture camerounaise, pour la nation camerounaise, et pour leur famille et pour nous aussi qui les suivions. Je pense que c'est une grosse perte. Et je pense que cette mort, ces morts-là, doivent nous interpeller. À nous qui restons, qui sommes vivants. Eux, ils sont partis. Maintenant, nous, quelle est la leçon que nous tirons de cela? Que chacun tire une leçon de cela. Voilà K.S. Bloom, merci. Merci à Richesse Emerald. K.S. Bloom, et je l'admire beaucoup. Je pense même l'inviter au Cameroun. C'est un jeune homme qui montre qu'on peut craindre Dieu et avoir du succès. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est le message que sa vie, son exemple, nous passe. Maintenant, toi qui es vivant, moi qui suis vivant, dans quelles conditions est-ce que nous allons mourir?
Dans quelles conditions? Pose-toi la question. Donc vous voyez que même être influenceur ne nous met pas à l'abri de la mort. Se monter dans des grands hôtels à Dubaï, aux îles Maldives, sortir avec des grands hommes, je parle à nos influenceuses, sortir avec des grands hommes, des richissimes, et montrer cela, c'est bien. Montrer qu'on dort dans des grandes suites, des suites présidentielles, dans des grands hôtels, c'est louable, c'est bien. Montrer qu'on est en classe business, c'est bien. Montrer qu'on voyage dans des jets privés, oh là, ça c'est louable, c'est bien. Ça. On est touché. C'est la haute vie, c'est la vie des stars. Mais ça ne nous met pas à l'abri de la mort. Après, on va mourir en fait. Il faut penser à la mort. Et la mort, c'est ton dernier jour sur la terre. Il y a un jour dernier pour chacun d'entre nous. Il y a un dernier jour. Chacun de nous. Dieu seul connaît cette date. Vous qui m'écoutez et moi qui vous parle, Dieu connaît dans son agenda, dans son calendrier, il y a un jour qui sera le dernier. Peut-être c'est un lundi. Je ne verrai pas le mardi de ce lundi. Peut-être c'est un dimanche. Je ne verrai pas le lundi de ce dimanche, de cette semaine-là. Il y a un dernier jour qui est déjà marqué pour chacun d'entre nous. La question qu'il faut se poser, dans quelles conditions est-ce que je vais mourir? Dans quelles conditions? En tant qu'ami de Dieu ou ennemi de Dieu, je mourrai dans de bonnes conditions ou dans une mauvaise condition. Parce que mes amis, la condition dans laquelle tu meurs, c'est la condition dans laquelle tu passeras l'éternité. Et laissez-moi vous dire, après la mort, il y a une vie. Il y a une vie. Et je veux partager avec vous ce témoignage. L'aîné de ma mère, Houma, il y a de cela quelques années, c'est dans les années 98, en 98, j'ai eu un rêve sur elle, une vision sur elle. J'ai une vision sur elle. Et dans la vision, j'ai vu son mari qui était mourant, chétif. Et le Seigneur m'a dit dans la vision, il souffre du VIH. Et ta grand-sœur a été contaminée par le VIH. Mais amène-la à la convention en fin d'année. On priera sur elle et je la guérirai. Alors quand je me suis réveillé, je suis allé visiter ma grand-sœur avec son mari. Mais je l'ai trouvée, elle était bien portante, dans l'embonpoint, son mari aussi était bien portant, il n'était pas amaigri, il était tout charnu en fait. Et donc je me suis tué, je n'ai rien dit. Quelques mois après, j'étais en Gaoundé à l'époque, j'étais en Gaoundé en 97, 98. J'étais à la maison en train d'étudier, parce que les téléphones portables n'existaient pas encore. Alors la parole de l'Éternel m'a été adressée. Le Saint-Esprit m'a dit pendant que j'étudiais, ta grand-sœur est venue de Tibati, elle est à l'église, à Baladidou, en Gaoundéré, elle te cherche, va vers elle. Alors j'ai laissé, j'ai prié, comme c'était un samedi, j'ai pris mes effets et j'ai dit à ma marâtre, ma nourrice, je lui ai dit, maman, ma grand-sœur est venue, le Saint-Esprit m'a dit qu'elle est à l'église et je vais vers elle. Donc je ne pourrais plus revenir parce que c'est loin, c'est au moins 15 km. J'ai marché à pied jusqu'à l'église. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé ma grand-sœur. Je lui ai dit, tu fais quoi ici? Elle m'a dit, moi, j'ai envoyé te chercher. Il dit, oui, le Seigneur m'a averti que tu étais venu. Et puis, je lui ai demandé, tu fais quoi ici? Et elle m'a expliqué que mon mari est malade. Ton beau-frère est malade. On ne sait pas dans quel hôpital. On l'a amené, il est monté ici en Gaoundéré, comme c'était un militaire. Et voilà comment on va le chercher partout. On va le retrouver à l'hôpital central de Gaoundéré. Et quand je l'ai vu, il était tout amaigri. On n'était pas au courant. Et immédiatement, la vision que j'avais eue sur lui et sur ma grand-sœur est revenue. Et j'ai compris que c'était ça, qu'il avait le VIH en fait. Et la femme de mon pasteur de l'époque, maman Bernadette, elle m'a confirmé ça. Elle m'a dit, ton beau-frère, on ne dit pas ça, mais ton beau-frère souffre du VIH. J'ai appelé ma grand-sœur de côté et je lui ai dit, maman, voici la vision que j'avais faite sur toi et sur ton mari. Je t'en supplie. Voici la parole que l'Éternel m'a adressée. Humilie-toi. Viens à la convention, nous allons prier. Et le Seigneur, l'homme de Dieu priera et le Seigneur te guérira. Elle était au plein évangile à l'époque, mais son pasteur n'a pas voulu. Mon beau-frère, j'ai prié pour lui avec mon pasteur en Gaoundéré, papa David Tamsar. On a prié. Alors pendant qu'on priait pour mon beau-frère, ce mon beau-frère dont je vous parle, un jour, un pasteur est venu lui prêcher Jésus-Christ à Tibati, comme c'était un gendarme. Le pasteur entrait avec sa Bible, il tenait sa Bible en main. Quand le pasteur a commencé à lui parler de Jésus,
Il a dit au pasteur, ok, attendez-moi un instant, mon pasteur. Bacha dit, d'accord. Il est entré dans sa chambre. Il est sorti avec la Kalachnikov, la Kalach. Il a fait crac. Le pasteur a fui jusqu'à oublier la Bible. C'est au cas de fou que le pasteur envoie un enfant. Lui indique à la maison que pardon, va me récupérer. Dis que pardon, m'envoie ma Bible. Il a fui, il a abandonné la Bible. Donc c'était un monsieur qui ne croyait pas en Jésus. Il ne croyait pas, il se moquait des pasteurs, des hommes de Dieu. Il insultait, il dénigrait les églises, etc. Alors, pendant qu'il était à l'hôpital en Ngaoundéré et que la nuit, j'étais en train de prier pour lui, disant, Seigneur, guéris mon beau-frère, sauve mon beau-frère, je t'en prie, Seigneur, viens lui en aide, guéris-le. J'ai fait une vision. Dans la vision, le Seigneur m'a montré le paradis et l'enfer. Le paradis et l'enfer. Il faut que les gens comprennent que quand on parle d'enfer, Hadès, ce n'est pas le feu. C'est un lieu d'attente où ceux qui ont été rebelles à Dieu pendant leur vie vont attendre le jugement dernier. Tandis que le paradis, c'est l'endroit où les âmes qui ont servi Dieu pendant leur vie sur la terre attendront la récompense dernière. Ça veut dire le jugement du grand trône blanc, le jugement Bema. Alors, il y avait deux salles. L'une des salles, les gens pleuraient là-bas. Et donc, je vous dis la vérité devant Dieu qui m'a appelé. Dans cette vision, j'ai vu à chaque instant, les âmes montent vers le ciel. Les âmes montent. Les unes vont pour la condamnation éternelle, d'autres vont pour le salut éternel. Donc, il y avait deux salles. Il y avait une salle pour tous ceux qui avaient servi Dieu pendant leur vie sur terre et qui avaient accepté Jésus-Christ et qui avaient conformé leur vie à la volonté de Dieu, qui faisaient le bien et non le mal. Ceux-là, il y avait une temps, quand ils arrivaient dans la salle, on les revêtait de blanc et ils adoraient Dieu, ils louaient Dieu. Et je me souviens encore de la chanson qu'on chantait dans la vision. C'était « Amen, Amen, louange et gloire, sagesse, action de grâce et l'honneur, puissance et force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles, Amen. » Et les saints chantaient ça. Et j'étais dans cette salle. Mais il y avait l'autre salle à côté, où les gens se lamentaient. Il y avait des grincements dedans. Quand tu mourais, ton âme venait là-bas et on t'enchaînait. Et les gens pleuraient. Les gens disaient, je ne savais pas que c'était vrai. Je ne savais pas que Dieu existait vraiment. Si je le savais, j'aurais cru en Dieu. J'aurais abandonné mes péchés, la mauvaise vie, etc. Et les gens pleuraient là-bas. Ils se lamentaient. Mais dans l'autre salle, c'était les chansons. La louange, c'était la joie. L'autre, c'était les pleurs. Et pendant que nous étions en train de chanter le chant que je viens de chanter, et on voyait les âmes entrer. Donc, alors je vous parle, les âmes montent. Les hommes meurent, les femmes meurent, les enfants meurent. Les âmes montent, chacun pour la destination finale. Et pendant que je regardais dans d'autres salles là-bas, la salle des condamnés, des damnés, j'ai vu mon beau-frère là. Il s'appelait Dynamo Simon. C'était Massa. Je l'ai vu entrer. Lorsqu'il est entré dans cette salle des condamnés, on l'a enchaîné et il pleurait. Et je l'entendais se lamenter. Oh Dieu, pardonne-moi, je ne savais pas que c'était vrai. Si je savais que Jésus était vrai, s'il était vraiment vivant, si je l'avais su, j'aurais cru. J'aurais donné ma vie à Dieu. Oh, pardonne-moi. Oh, mon Dieu, pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Je ne savais pas. Et je me suis réveillé. Le matin, je faisais seconde. Tant qu'à 97. Je faisais seconde à l'époque. Alors, je suis allé à l'hôpital. Je l'ai trouvé. Il était inconscient. J'ai prié avec lui. Prié pour lui. Et j'ai continué. J'ai parlé avec mon papa spirituel. Je lui ai dit, le Seigneur m'a montré que mon beau-frère va mourir d'une mauvaise mort. Et lui, il m'a dit, non, non. Dieu m'a dit plutôt qu'il va le guérir. J'ai dit d'accord. Mais l'Éternel m'a dit qu'il mourra, mais d'une mauvaise mort. Je suis allé à l'école. En revenant le soir, je suis passé toujours par l'hôpital. J'ai trouvé son lit vide. Et une infirmière était là. Je lui ai demandé, mon beau-frère est où? On l'a amené où? Et elle m'a dit, ah, mes condoléances, il est parti, il est mort. Mais elle m'a dit ceci. Ton beau-frère est mort d'une mauvaise mort. J'ai dit, d'une mauvaise mort comment? Il m'a dit, il pleurait. Il parlait. Il se lamentait en disant, je ne savais pas que c'était vrai. Si je savais que c'était vrai, j'aurais cru, j'aurais donné ma vie à Jésus. Il demande pardon. Oh Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Il est mort en demandant pardon. Voilà comment il est parti. Et après, ma grand-sœur aussi, elle est morte. Sa co-épouse est morte. Toute leur famille a été décimée, mais loin de Dieu. Donc, bien-aimé, pour finir, je voudrais tout simplement dire à tous nos influenceurs, tournons-nous vers Jésus. Il est la seule vraie raison de vivre sur la terre. La Bible dit que certes, il a un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Tu peux sortir avec les plus grands hommes de la terre. Mais si ta mort est malheureuse, ton éternité, tu l'auras perdue. Tu peux avoir tout l'argent du monde, sortir avec les grands. Mais à la fin, ça te servira à quoi si ton âme va dans la géhenne, le feu qui ne s'éteint pas. Donc que chacun de nous porte cette responsabilité, réfléchisse à sa vie. Pense à sa vie, pense à son âme et pense à son éternité. Parce qu'après ta mort, le jour où tu vas mourir là,
Les hommes-là ne vont pas te défendre. Les femmes-là, les belles filles avec qui tu dis je couche, les métisses, les blanches, les noires, tu ne manques pas de femmes. C'est vrai, tu es une star. Toutes les femmes sont à tes pieds, ça c'est clair. Mais pense à l'éternité. Tout cela te servira à quoi? Quand tu vas mourir, aucune de ces personnes ne pourra te délivrer de la main de Dieu, de la main de la mort. Quand la mort vient, ton argent ne te sauvera pas. Ta starmania ne te sauvera pas. Ta grande réputation ne te sauvera pas. Ta renommée ne te sauvera pas. Ta famille ne te sauvera pas. Les grandes femmes-là ne te sauveront pas. Les grands hommes avec qui tu sortais-là ne te sauveront pas. Tu vas mourir, ils vont continuer à prendre d'autres filles à ta place. Donc, il est bien que chacun réfléchisse. Réconcilie-toi avec ton Créateur pendant qu'il se fait encore temps. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à voir le numéro de la maman de notre frère bien-aimé. Je voudrais faire parvenir ma participation et je voudrais voir dans mon agenda si c'est possible de faire un tour dans son village. Donc, pendant que le fait que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous sommes à Douala pour notre grand programme. On va continuer ce soir à partir de 17h à Ndokbon derrière l'immeuble Kamlay. Ne manque pas, la main de Dieu sera puissante dans ta vie au nom souverain de Jésus. Et ce vendredi, nous avons Nuit des Flammes ici à Douala et dimanche, nous allons clôturer. Ça sera extraordinaire. Que mon Dieu te bénisse, qu'il te restaure. Et nous prions pour tous les influenceurs. Seigneur, que ta crainte entre dans leur cœur. Que tous ceux qui sont engagés dans ce qui n'est pas bien soient délivrés. Ceux qui ont la volonté d'être sauvés. La Bible dit la bonne volonté, lorsqu'elle existe, existe en raison de ce qu'elle a et non de ce qu'elle n'a pas. Donc Seigneur, tous ceux qui ont la bonne volonté de te connaître et de faire leur travail correctement, je prie que tu les sauves au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, que ta journée soit bénie au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous demain, dès qu'il sera 10h pour un autre direct. Que Dieu te bénisse et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, dimanche le 2 juillet, nous sommes au palais des sports de Ouarda. Nous vous attendons, bien-aimés, au palais des sports de Ouarda à partir de 8h. Pour le grand culte national, tous les Camerounais sont invités. Et pendant que tu viens, que Dieu te bénisse. Passe cette annonce, dis aux gens, mets dans ton agenda, Palais des Sports de Ouarda à Yaoundé, dimanche 2 juillet à partir de 8h. Sois là même à 5h pour prendre une bonne place. Je t'attends et que Dieu te bénisse pendant que tu viens. Et tous ceux qui viendront, que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il te délivre de la main de tes ennemis. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Bye.